Pas en reste dans ce 18-21, l'actualité hors du continent. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur Gabon 24. Tout d'abord, en Turquie, le pays et la Russie ont scellé ce lundi 10 octobre leur réconciliation en dépit des désaccords sur la Syrie avec la signature d'un projet majeur de gazoduc à l'occasion d'une visite du président Vladimir Poutine à Istanbul. Le récit de Katia Sandon. L'accord signé entre Poutine, président russe, et son homologue turc Erdogan prévoit la construction de deux lignes de gazoduc sous la mer Rouge, a indiqué à la presse le PDG de la compagnie russe Gazprom. La capacité de chacune de ces gaz est de 15,75 milliards de mètres cubes de gaz par an. Les études montrent que le tracé turc est le plus rentable et le plus économique pour transférer le gaz, s'était félicité plutôt Erdogan. Dans de nombreux domaines, qu'ils soient liés à l'industrie de la défense, que ce soit dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, touristiques, culturels, nous allons développer nos relations de manière très différente. Je suis sûr que nous allons rattraper très rapidement le temps que nous avons perdu. Dans un signe d'apaisement des relations, Poutine a même assuré que la Russie réduira les prix de gaz qu'elle vend actuellement à la Turquie. Déterminée à tourner la page, la Russie et la Turquie souhaitent désormais renforcer leurs échanges économiques pour les porter à 100 milliards de dollars par an. En France, depuis les attentats de Paris de 2015, policiers et militaires lourdement armés ont envahi le quotidien des citadins. Quel impact psychologique cela peut-il avoir sur les plus jeunes générations? Les réponses dans ce reportage. Pas même un regard sur le gendarme et son fusil FAMAS posté au coin d'une rue de Paris. Depuis la vague d'attentats en France, policiers et militaires ont envahi notre quotidien, laissant parents et enfants un peu perplexes sur l'impact de cette omniprésence. Avec l'opération Sentinelle, entre 7000 et 10 000 hommes patrouillent quotidiennement autour de sites sensibles, écoles, lieux de culte, gares et aéroports. Cette psychiatre lyonnaise s'occupe de victimes d'attentats et d'enfants maltraités. Elle juge cette surprésence plutôt rassurante. Les enfants peuvent estimer que les militaires qui sont là et qui sont armés sont là pour le bien et pas pour le mal. Et s'ils sont là, c'est éventuellement pour faire du mal à ceux qui ont fait du mal. Comme dans les contes, ou les histoires, ou dans leurs jeux. Ancien responsable de la Maison des adolescents à Paris, le pédopsychiatre marseillais Marcel Ruffo voit lui aussi de quoi paradoxalement rassurer les enfants, mais à condition de ne pas éluder la question. Il faut que les adultes disent, tu vois, moi ça me rassure beaucoup qu'il y ait des policiers et des militaires à l'entrée de ton école. Qu'est-ce que je suis rassuré quand je te laisse en sachant que les policiers te gardent? Vous voyez? Même si. Mais ce même si, c'est pour nous. C'est surtout pas devant le petit, l'enfant du primaire et l'adolescent. Reste une inconnue les effets à long terme de l'installation de ces hommes armés dans le paysage de toute une génération d'enfants. Car avec le niveau de menace d'attentat, ces milliers de militaires et de policiers ne sont pas prêts de disparaître. Cap sur la Corée du Sud, où Samsung a entériné ce mardi le fiasco du Galaxy Note 7 en demandant à ses partenaires de cesser de vendre ce smartphone dernier cri et aux utilisateurs de l'appareil de l'éteindre en raison du risque d'explosion. Le récit de Larissa Matsum. Le géant sud-coréen Samsung tente de contenir les répercussions sur son image de marque et sur ses autres secteurs d'activité de l'affaire des batteries explosives. L'une de ses plus grandes déconvenues commerciales, à l'heure où il doit composer avec une concurrence exacerbée. Cette décision a été saluée par l'autorité américaine de protection des consommateurs, qui a émis une sévère mise en garde contre les dangers posés par cette phablette, comme se nomment les modèles intermédiaires entre smartphones et tablettes. Je me suis senti frustré, franchement. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais un nouveau téléphone. Et de voir qu'il explosait, ça m'a rendu nerveux et même inquiet, mais surtout frustré. Au début, je ne voulais pas échanger mon appareil parce qu'il n'avait aucun problème. Mais finalement, je l'ai fait parce que je recevais plein de messages qui me disaient de le faire. Mais à l'usage, je n'ai jamais eu de problème avec. Samsung avait été contraint le 2 septembre d'ordonner le rappel planétaire de 2,5 millions d'exemplaires du Note 7 après que certains spécimens eurent pris feu du fait de l'explosion de leur batterie lithium-ion pendant leur chargement.
Les images de téléphones carbonisés qui ont inondé les réseaux sociaux ont représenté une humiliation suprême pour un groupe qui se targue d'être le champion de l'innovation et de la qualité. Le groupe sud-coréen a justifié mardi sa décision par la nécessité d'une enquête approfondie sur ces incidents qui l'ont déjà fortement plombé. L'échec du Note 7 est d'autant plus inquiétant qu'il survient à un moment critique pour le groupe embarqué dans une transition générationnelle compliquée au sommet. Dans le reportage que vous allez suivre, l'on apprend qu'une vague de migrants haïtiens ayant travaillé à la construction des infrastructures des Jeux et du Mondial au Brésil abandonne aujourd'hui le géant sud-américain frappé d'une crise économique et politique et part à la recherche du rêve américain. Des milliers d'entre eux attendent même de passer la frontière du poste de Tijuana, en témoigne ce récit de Renandem. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dani avant de la coucher dans ce refuge Tijuana au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à 3 000 $. Vilenda a trouvé Dani en chemin, perdue à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. Elle a réussi à localiser ses parents par téléphone. Ils sont encore au Costa Rica. Alors en attendant de les retrouver, elle continue la route avec la petite fille qu'elle pense âgée de 3 ans. J'ai beaucoup de gens avec moi. Alors les gens font laisser la petite fille. Moi, je n'ai plus de cœur juste pour la laisser. Je la prie. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, l'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. Je n'ai pas réussi à travailler pour payer la maison. C'est difficile pour nous. C'est dur d'aider la famille. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Ils stagnent ici jusqu'à pouvoir rencontrer les autorités américaines, seules capables de leur ouvrir les portes des États-Unis. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Bénéficiant d'aide humanitaire depuis 2010, les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Nous espérons qu'une fois que cette politique sera appliquée, il y aura moins de raisons pour que les gens viennent jusqu'ici. Pour Vilenda et Dami, l'heure est arrivée. Elles traversent la frontière vers les États-Unis. Leur cas doit encore être examiné. Mais elles espèrent que cette étape sera la dernière de leur voyage et que la petite fille retrouvera ici sa famille. Et justement, nous partons pour les États-Unis où la Statue de la Liberté, icône du pays qui reçoit sur son île quelques 4,3 millions de visiteurs par an, aura bientôt son musée moderne et multimédia, ont annoncé récemment des responsables de la ville de New York. Le récit de Linda Gaël Maganga. La Statue de la Liberté aux États-Unis aura bientôt un musée. Les responsables de la gestion de ce site, qui reçoit près de 4 millions de visiteurs par an, prévoient construire un musée moderne, sécurisé, avec une capacité d'accueil plus grande. Il sera aménagé à l'opposé du site actuel, avec un toit végétalisé et un escalier qui permettra d'accéder au monument. Inauguré en 1886, le cadre d'exposition de la Statue de la Liberté sur une presqu'île contraint les gestionnaires du site à limiter certains accès. Or, à l'ouverture du nouveau musée prévu en 2019, le musée devrait offrir une vue magnifique sur Manhattan en même temps qu'une réflexion sur la notion même de liberté selon les concepteurs. La cérémonie du lancement des travaux du nouveau musée de la Statue de la Liberté a été effectuée il y a une semaine. Et puis, l'on apprend que le président du comité olympique italien, Giovanni Malago, a mis un terme définitif ce mardi à la candidature de Rome aux Jeux olympiques de 2024. Le récit de Larding Emamba. Suite au refus de la nouvelle maire de la ville de Rome,
Virginia Raggi, à soutenir le projet de candidature de l'Italie aux Jeux Olympiques 2024. Le président du comité olympique italien, Giovanni Malago, a mis un terme définitif mardi à la dite candidature. J'ai écrit aujourd'hui mardi au comité international olympique pour interrompre le parcours de la candidature de Rome 2024. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais nous sommes justement là pour clarifier la situation. Le CIO ne reconnaît pas comme interlocuteur institutionnel que les comités olympiques nationaux. Cette annonce officielle n'est pas une surprise, dans la mesure où la maire de Rome, Virginia Raggi, élue au mois de juin, avait retiré fin septembre le soutien de la municipalité au projet, estimant qu'il était irresponsable de dire oui à cette candidature et d'accepter les jeux du béton. Un projet pourtant bénéfique pour l'embellissement des infrastructures sportives. Il est irresponsable de renoncer à l'argent du CIO, 1,7 milliard d'euros, et de la part du gouvernement, quasiment 4 milliards. Avec lesquels nous aurions pu réaliser les travaux dont la ville a besoin. Métro, train, moyens de transport depuis la gare de Termini et l'aéroport de Fiumicino, réhabilitation du stade Flaminio, réhabilitation des salles de gym et d'entraînement municipaux. Et il est irresponsable de renoncer aux 177 000 emplois qui auraient été créés, ainsi qu'à une hausse de richesse de l'ordre de 2,4%. Le 29 septembre, le conseil municipal de Rome, dominé par le mouvement 5 étoiles, dont est aussi Raggi, avait ensuite voté un texte dans ce sens. Le maire a également envoyé au comité international olympique un courrier annonçant que la ville ne soutenait plus la candidature. Voilà ce qui met un terme à cette session de l'actualité hors du continent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Gabon 24.